En fait, ce qui est extraordinaire, donc quand on rentre en Europe, enfin au pays, après une période aussi intense, en fait, qui est intense intellectuellement, émotionnellement, personnellement, sur le plan personnel, hein, c'est des moments quand même formidables aussi. Ah, il faut savoir aussi, peut-être aussi pour les étudiants aujourd'hui, que quand on est sur le terrain comme ça, on est aussi jeune qu'eux. Hein. On n'est pas la personne qu'on devient après, plus responsable et adulte et confirmé, anthropologue ou sociologue confirmé. On est au même niveau qu'eux. En réalité, on est très désemparé, on est très démuni, on est sans rien. Et donc, le retour était à l'époque, et ça, je pense aussi, c'est intéressant pour des plus jeunes aujourd'hui. C'est que je suis rentré dans un état, une situation économique qui était très mauvaise, et on m'a dit la première chose quand j'ai dit que je voulais donc faire une thèse doctorat, c'est que ça ne me servira à rien et que je n'aurai surtout pas d'emploi avec. Donc, quand étant donné que le doctorat ne servira à rien, je ne sais pas comment c'est. Par ailleurs, mais en tout cas ici, le doctorat ne servait qu'à l'université. C'était donc quand il ne servait à rien, c'était vraiment faire des études pour rien. Donc, n'empêche que je l'ai quand même fait parce que je n'avais à peu près rien d'autre à faire. Que je me disais, la situation était très 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 déprimante. Je pense du point de vue économique et de l'emploi, beaucoup plus que maintenant. C'est pour ça que je me viens de le mentionner pour un peu rassurer les étudiants aujourd'hui, hein, je pense que c'est... Hein, on parle de crise, on parle en fait... On n'est pas vraiment en crise non plus, je ne crois pas qu'on est en crise véritable. On en parle depuis la crise pétrolière des années 70, hein, qu'on est en crise, mais en fait, on n'est pas encore vraiment dans une crise où notre niveau de vie n'a cessé d'augmenter depuis. Ce que j'essaye aussi de dire généralement à mes étudiants, pas pour les culpabiliser, mais pour au contraire les rassurer d'une certaine façon, qu'on a des raisons d'espérer. Et en plus, la situation de l'emploi, etc., n'a pas toujours été bonne avant, auparavant non plus, et que peut-être les possibilités sont aujourd'hui plus grandes qu'elles ne l'étaient à l'époque. Je crois que c'est à peu près vrai, mais pas sans être sûr. Toujours est-il, donc... J'ai commencé cette thèse, j'ai terminé un peu parce qu'il fallait bien, parce que j'avais rien d'autre à faire en réalité, hein, sans aide. D'ailleurs, j'ai pas eu d'aide pour l'écrire à la fin, je n'ai pas eu d'aide financière, c'est-à-dire sans temps, intellectuelle et tout ça, ça a été encore à moitié. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation difficile. J'ai postulé des emplois dans la fonction publique, passé des examens, je me suis retrouvé dans un ministère. C'était un peu aussi assez épique, assez extraordinaire d'ailleurs, parce qu'ils avaient fait un examen qui était destiné à plusieurs, à tous les diplômes à peu près, mais ils avaient besoin de juristes et d'économistes, et ceux qui ont réussi, enfin, c'était un concours en réalité, il y avait 5 places, et il y en a que ceux qui avaient arrivé ne correspondaient pas au diplôme. Donc on ne savait pas quoi faire de nous, donc je me suis retrouvé dans un bureau tout seul, on ne savait pas quoi faire de moi, je ne savais pas ce que je devais faire non plus, c'était assez un peu kafkaïen, c'est-à-dire. Et donc, j'ai postulé au FNRS comme ça, par hasard, et je me suis retrouvé, en fait, employé vraiment par chance. Quand je suis rentré à l'université par ce biais-là, je donnais ma démission au ministère, je suis rentré à l'université, et j'ai commencé alors une carrière plutôt normale d'enseignant, d'abord de chercheur, puisque le FNRS en Belgique, c'est un peu l'équivalent du CNRS français, sauf qu'on a des obligations vis-à-vis de l'université et qu'on est attaché à l'université. Donc on y enseigne modérément, mais on est quand même toujours impliqué dans les équipes recherche de l'université. Mais donc, d'abord comme chercheur, mais très vite, je ne sais pas pourquoi, j'ai été très vite dans un statut en fait, d'enseignant académique, de personnel académique, plus que de chercheur. Donc, comme j'ai toujours pensé que les deux étaient bien sûr importants puisque c'est notre spécificité à l'université, hein, de combiner à la fois l'administration de l'université, la recherche et l'enseignement. Donc pour ma part, l'administration, j'ai toujours été assez encore plus nul que dans le reste, disons,
mais donc j'en ai fait assez peu. Et donc je suis plutôt concentré sur les deux autres choses. Et donc une façon de me concentrer sur l'enseignement, ça a été en fait, en réalité de construire mes cours, mon enseignement, et de les écrire. Donc d'où des ouvrages que j'ai pu publier, qui sont l'histoire de l'anthropologie et l'anthropologie de la parenté, par exemple, qui sont donc des ouvrages qui dérivent de mon enseignement. Sur la parenté, je ne pense n'être nullement un spécialiste de la parenté. Je n'ai pas écrit, sinon, mes chapitres sur le mariage avec la cousine croisée patrilatérale chez les parayards. Je n'ai écrit pas grand-chose sur le sujet. C'était le fruit de mes lectures, de mon intérêt pour le malheur de mes étudiants. Donc j'ai un peu fait, je fais un peu travailler sur le sujet et j'ai développé en même temps un intérêt pour l'histoire de l'anthropologie qui cachait d'ailleurs peut-être assez mal un intérêt pour l'histoire tout court. Et l'histoire, je dirais à la fois avec un grand H et un petit, l'histoire, c'est-à-dire aussi l'écriture, de raconter des histoires, je trouve que c'est quelque chose de pouvoir communiquer par l'écriture, quelque chose que je trouve particulièrement agréable et que je ne pourrais pas ne pas faire, je ne suis jamais sans rien faire puisque j'ai toujours au moins cette possibilité et ce goût hein, de faire cela. Donc l'histoire de l'anthropologie, elle était, je pense, un peu intéressante. J'ai publié d'abord en Belgique, puis après j'ai publié au Seuil, parce que elle était intéressante parce que peut-être de ma formation anglo-saxonne. Et donc j'apportais peut-être un point de vue un peu différent des histoires et des approches plus spécifiques qui existaient déjà en France, puisqu'il y avait quand même quelques textes qui étaient intéressants. En France, mais qui était probablement souvent plus marqué vers la France, plus franco-français, disons-le comme ça. Or, j'essaie peut-être d'aborder une sensibilité, une touche un peu plus anglo-saxonne, ce qui n'est évidemment pas tout à fait anodin, puisque une bonne partie de notre discipline vient quand même de là-bas, hein, avec l'anthropologie française et vient tardivement dans l'histoire de l'anthropologie, hein, par Mauss, qui est plus ou moins anthropologue, et en tout cas un peu qui joue sur les deux tableaux, qui était quand même fortement sociologue également. Mais après, c'est Lévi-Strauss hein, qui va devenir la figure tutélaire et marquante du développement de l'anthropologie française. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à relire un peu. J'étais lié fortement à mon enseignement et aussi à mon goût de raconter. Et en fait, je me suis posé un problème que je n'avais pas eu pendant mes études, c'est d'avoir exposé clairement ce qu'était le fonctionnalisme, par exemple, et donc d'une façon synthétique et abordable. Donc j'ai toujours bien aimé. J'ai pris un goût aussi très vite pour la vulgarisation, donc, parce que je pense que je sais relativement écrire facilement, donc j'écris facilement, à défaut de bien écrire, et que je ne pense pas avoir des qualités littéraires exceptionnelles, mais au moins de pouvoir traduire en synthèse peut-être assez facilement. Et donc j'essaye de m'adresser. Et la vulgarisation m'a toujours intéressé pour ça, pour sortir un peu de ce qui était mon spécifique, c'est-à-dire d'écrire des articles qui prennent de 20 pages, qui prennent 2-3 ans d'écriture, et que personne ne lit, et que même ceux qui lisent s'en fichent généralement, ou bien ne lisent que pour vous critiquer. Je trouve pas d'une fécondité extraordinaire, tandis qu'on a d'énormes satisfactions dans la vulgarisation, bien entendu, hein, enfin, la vulgarisation qui essaye d'être quand même relativement proche des originaux. Alors aussi, c'était quelque chose, je pense, qui était typique du monde anglo-saxon, heureusement qu'on a un peu changé en France, mais on a longtemps cru en France que plus on était sibyllin, obsolète, voire incompréhensible, plus on était profond. Hein, alors qu'en Angleterre, je pense que quand même, dans le monde anglo-saxon, on écrit d'une façon quand même plus limpide et plus claire, ce qui, à mon avis, ne diminue nullement l'éventuelle profondeur ou la nuance et l'intérêt de la chose. Donc, j'ai commencé à faire ça, et donc j'ai publié l'histoire de l'anthropologie qui a eu une carrière assez
intéressante en étant traduit dans une dizaine de langues, je crois, et en étant aujourd'hui en poche, ce que je trouve aussi. Ça a été quelque chose qui m'a toujours marqué, je ne sais pourquoi, mais de publier en poche, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de formidable, parce que c'est un format accessible qu'on aime lire. Je me rappelle d'ailleurs à ce propos, mes amis à Oxford, certaines personnes que je connaissais à Oxford se vantaient de ne jamais avoir eu un livre de poche dans leur bibliothèque, hein, et aussi je ne sais pas si vous avez ça à la maison aussi, mais les couvertures sur les livres, donc les Anglais les enlèvent tout de suite parce que c'est ce qui est en dessous qui est beau, évidemment. Et nous, on a tendance à garder la couverture avec la photo, alors que pour un amateur de livres véritable, c'est la reliure qui est l'objet de valeur, hein, qu'on n'avait pas un peu. Donc le livre de poche a toujours été peut-être plus en français qu'en anglais de ce point de vue-là, puisqu'il y a beaucoup qui passent en poche des ouvrages scientifiques, hein, généralement. Et c'est aussi un peu un aboutissement. J'ai toujours trouvé ça un aboutissement. Donc j'ai toujours spécialisé sur l'histoire de l'anthropologie que j'ai vu changer. J'essaie de prendre un peu, de rester relativement neutre, mais aussi de me reconsidérer par rapport à elle, et donc d'évoluer un peu vers une anthropologie qui soit quand même plus proche des mondes contemporains, et donc de réinsérer les transformations contemporaines dans l'étude anthropologique, hein, ce qui est aujourd'hui, je pense, relativement bien acquis, et qui ne l'a pas toujours été. Donc il faut savoir, par exemple, se rappeler au débat en France, au grand débat, entre Georges Balandier et Claude Lévi-Strauss, hein, deux figures marquantes. Je pense que Claude Lévi-Strauss a quelque peu rendu inhibé l'importance de Balandier, hein, Balandier qui parlait, ou Roger Bastide, hein, qui parlait des religions africaines du Brésil, qui parlait des gens, des bidonvilles, des gens aussi qui sont pas nobles, c'est pas des nobles sauvages, hein, et Balandier aussi avec les Brazzaville noirs qui essaient de réhabiliter le monde contemporain dans l'anthropologie et qui est quasiment forcé de quitter l'anthropologie, hein, un peu qui devient président d'association des sociologues de langue française, qui dirige des revues de sociologie et qui appelle sa thèse d'état sociologie actuelle de l'Afrique noire, hein, donc comme si ça ne pouvait pas être de l'anthropologie dès lors qu'on parle des choses contemporaines. Donc, alors, je me suis toujours dit un peu à l'époque, on disait qu'on préférait avoir tort avec Jean-Paul Sartre que d'avoir raison avec Raymond Aron. Et j'ai l'impression que longtemps, on a préféré avoir tort avec Lévi-Strauss que d'avoir raison avec Georges Balandier, hein, qui à mon avis, aujourd'hui, une figure qui, pas peut-être malheureusement pour certains, mais qui avait raison avant l'heure, hein, qui réhabilite très certainement l'intérêt de l'anthropologie pour comprendre le monde contemporain et montrer qu'on n'est pas tout à fait détaché de celle-ci. Alors que l'anthropologie classique est bien sûr quand même relativement éloignée de toutes les préoccupations pour les transformations du monde contemporain. Donc j'essaie de le faire, j'essaie de l'appliquer un peu. Donc c'est une des parties de ma démarche intellectuelle. Aussi donc de traduire en langage accessible, en texte accessible des choses qui l'étaient peut-être moins au départ ou qui étaient peut-être moins, essayer de communiquer, d'être pédagogique, disons, d'une certaine façon. Et donc parallèlement, j'ai continué à poursuivre mon travail sur l'Inde. Et donc j'ai publié une monographie qui est sur les intouchables, qui est tirée de ma thèse doctorat, donc qui est d'abord publiée en Allemagne et puis qui était traduite en anglais chez Oxford University Press, et donc qui la reprend presque les données, une partie de ma thèse et les données empiriques, donc la présentation des intouchables du village que j'ai étudié. Donc c'est vraiment la monographie de village traditionnel. Je l'ai étendu après, j'ai voulu aborder plus, j'ai publié plusieurs autres ouvrages sur l'intouchabilité qui essayent de comprendre le phénomène de l'intouchabilité dans sa globalité, notamment en mettant l'accent sur des thèmes contemporains, celui de l'ethnicité, celui de la discrimination positive, puisqu'ils font l'objet d'un système de discrimination positive qui est devenu très très commun aujourd'hui un peu dans le monde entier, alors que l'Inde, qui n'est jamais citée comme exemple, a une très grande tradition et d'expérience dans le domaine, et parfois aussi d'ailleurs pourrait donner
des leçons de ce point de vue-là. On pourrait en tirer des leçons qui ne sont pas sans intérêt, et notamment sur le fait de la stigmatisation que ça entraîne, et en fait qu'on rentre dans des systèmes qui sont quasiment irréversibles à un moment donné. Hein. On est obligé toujours de surenchérir et d'en donner toujours plus. Hein. Et donc qu'on légitime un peu ce qu'on prétend éliminer, hein, voire se légitimer ou parfois renforcer. Alors c'est ce qui était intéressant aussi un peu, comme je travaille sur les intouchables et que je donnais des cours sur l'Inde, j'ai été amené évidemment à étudier Gandhi, qui était une figure intéressante, je trouvais, pour laquelle j'avais fort peu de sympathie. Et puis, j'ai une proposition d'écrire un que sais-je à son sujet. Et comme ça fait partie un peu de mon enseignement, je l'ai fait. Donc, le que sais-je qui était publié alors à l'époque, représentait essayer de sortir de la géographie, de tous les textes en français, surtout en anglais, il y a cette autre chose. Mais en français, presque tous les textes qui concernent Gandhi sont agiographiques et je trouvais. Avec qui en font, comme dit son petit-fils, un old bore, hein, en français, si on permet, un vieux chiant, en français, si on permet l'expression, un vieux raseur, disons, pour le dire plus poliment. Hein, et donc, c'était tout sauf ça. Hein, c'était un homme politique, intelligent, avec des idées extraordinaires et qui ne s'ennuyait jamais, en réalité, hein, avec Gandhi. Donc, j'ai essayé de m'y intéresser donc parce qu'il est il a représenté le symbole même de la défense de l'intouchabilité des intouchables. Et pendant longtemps, il était membre du parti du Congrès. Le Congrès était le parti dominant en Inde. Et les intouchables étaient très, très fortement un des piliers des vote banks, en anglais, du parti du Congrès. Et avec Gandhi comme figure. Et puis est revenue la figure d'Ambedkar, un leader qui était opposé à Gandhi. Et donc Ambedkar est devenu, et surtout par les organisations militantes intouchables, est devenu un symbole. Et donc aujourd'hui, il y a une haine de Gandhi parmi les intouchables. Et donc ça m'a marqué parce que je pensais, bien que ce soit une vision très paternaliste de l'intouchabilité et sans doute discutable, c'était aussi une vision qui correspondait peut-être mieux à certaines de mes sensibilités, mais d'intégration de gens qui sont des marginaux, enfin, entre guillemets, parce qu'ils sont pas tout à fait marginaux, ils sont très utiles à la société, et en même temps marginalisés. Hein. Mais donc, comme ils sont minoritaires, ils n'ont d'autre choix, finalement, que de s'intégrer, de faire partir de l'ensemble des Indiens, d'être... Et donc, une vision militante me pose toujours un certain nombre de problèmes. J'ai toujours peur de jeter de l'huile sur le feu. Et donc, je trouve que la vision gandhienne avait, en dépit de son paternalisme, n'était pas une mauvaise chose. Donc, enfin, j'avais quand même voulu dépasser un peu la géographie en montrant ses ambiguïtés sur le plan sexuel, notamment, et autres, et un peu sur tous les plans, d'ailleurs. Et puis, je me suis rendu compte que plus j'écrivais, plus il était intéressant, parce que je trouvais qu'on ne parvient pas à le cerner vraiment tout à fait bien. On n'en fait jamais tout à fait le tour, en tout cas. Il surprend toujours, et quand on lit des textes, il y a même énormément de textes qui lui sont consacrés. On a publié quasiment tout ce qu'il a dit. Il y a 90 volumes, je crois, d'un millier de pages ou quelque chose comme ça qu'on peut trouver en ligne aujourd'hui qui consigne à peu près tous ses écrits et tous ses discours. Donc il y a énormément. Et donc évidemment, il réagit très souvent. C'est un homme réactif, hein, c'est un caractère, hein, donc, sinon caractériel. Et donc il réagit souvent. Donc il y a beaucoup de contradictions dans ses textes. Et c'est fort intéressant, je trouve. C'est quelqu'un de fort passionnant. Et donc, j'ai publié un autre livre, alors qu'essaye de le ramener, de le rendre un peu plus sympathique, d'autant plus que c'était plus quelqu'un qui était très crédible, qui était plutôt passé du côté des gourous, qui était plus très crédible économiquement, politiquement en Occident, hein, qui était devenu quelqu'un qui n'est plus étudié en sciences politiques comme un penseur politique. Or, à mon avis, il y a une vraie pensée politique, une pensée économique aussi, même si elle est souvent métaphorique, présentée de façon parfois un peu naïve. Mais il y a une pensée, en tout cas, qui est intéressante aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est revenu. Mais donc, voilà, un petit mot sur Gandhi, qui n'est pas très anthropologique non plus, par bien des mesures, mais qui est, je pense, une des personnalités intéressantes. Et puis, donc ça, de fil en aiguille, donc j'ai continué à m'intéresser à la politique indienne. Donc, je travaille un petit peu sur la politique de l'Inde, un peu. Et je trouve que c'est toujours une... C'est toujours intéressant de faire ça. C'est dû à l'enseignement, à notre enseignement, qui nous force à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire
et puis qui vous rend, je pense qu'il vous ouvre des horizons hein, qu'on n'aurait pas eu comme chercheur. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses, on apprend qui sont liées à notre travail de terrain, proprement dit, mais qu'on aurait ignoré par ailleurs. Hein. Donc le développement politique de l'Inde, le développement économique de l'Inde, est évidemment permet de comprendre ce qui peut se passer dans un village et les transformations que le village va connaître autour dès lors qu'on cesse de s'y intéresser d'une façon statique et synchronique à un moment donné, hein, dès lors qu'on veut voir une vision plus longitudinale et dans l'histoire. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose que m'a permis l'enseignement, qui est peut-être à la base de tout, qui est peut-être la chose la plus intéressante, parce qu'on a une relation directe et personnelle avec le public, avec des personnes et surtout des jeunes gens qui vont construire le monde de demain. Donc, continuer sur le thème et sur la caste, un peu essayer de reprendre un peu des thèmes sur la caste aussi, puisqu'il y avait en français relativement peu de ouvrages récents depuis Dumont. Donc, j'avais essayé de reprendre, bien sûr, sans avoir l'ambition Dumont, qui est beaucoup plus ambitieux que je puisse avoir et qui a les moyens, ses ambitions d'ailleurs, également, de reprendre une synthèse de la caste et de montrer combien celle-ci s'est adaptée au monde moderne. Encore une fois, là, on retrouve un peu les mêmes thèmes, que la caste telle qu'on connaît aujourd'hui n'est pas celle des textes anciens, mais que non seulement elle s'est toujours transformée, mais depuis l'indépendance, elle s'est non seulement grandement transformée, mais en plus elle s'est adaptée aux conditions, non seulement à la vie moderne, mais aussi à la démocratie parlementaire. Donc l'Inde est une grande démocratie parlementaire où toutes les libertés fondamentales sont assurées. Et donc il y a une certaine forme d'égalité, aussi formelle en tout cas, entre les individus. Et en même temps, elle a un système des castes qui continue, des castes qui continuent d'exister, en tout cas davantage qu'un système, des castes qui continuent d'exister et qui continuent de jouer un rôle dans la vie sociale en même temps. Donc ça, c'est une chose, une espèce de paradoxe formidable de la vie contemporaine, hein, combien quelque chose, une institution qui a pu paraître traditionnelle, qui probablement n'a jamais été, qui s'est toujours transformée, mais est devenue quelque chose qui continue non seulement d'exister là où on ne l'attend pas, hein, mais qui est en plus très vivace aujourd'hui, qui représente un certain nombre de choses dans le monde globalisé, qui est celui des Indiens, hein, de plus en plus globalisé, de plus en plus technologisé, moderne aussi. Donc on a une société qui se modernise grandement, et qui est en même temps toujours des institutions de ce type, qui ont d'ailleurs, qui peuvent très bien se comprendre, hein, donc d'avoir une certaine assurance, d'avoir une certaine des relations, d'ailleurs là où la sécurité sociale peut faire défaut, d'avoir des soutiens, hein, des réseaux. Hein, la caste joue de plus en plus ce rôle, un rôle politique finalement, hein, qu'elle n'avait pas il y a quelques décennies, hein, voire un peu auparavant. Donc j'essaie de remontrer, de resituer très modestement, parce que ce n'a pas l'ambition des grandes théories de la caste du tout, hein, mais de rendre aussi accessible, hein, par un que sais-je aussi, puis par un autre ouvrage plus un peu plus épais, sur en tout cas en nombre de pages, pas sur le plan du contenu, je ne me permettrai pas, mais sur ces transformations du monde contemporain. Donc c'était un peu aussi, je crois, une chose qui m'a intéressé de ce point de vue-là, et dans laquelle je sortais un peu de l'anthropologie stricte. Ah, donc j'ai refait une fois ou l'autre des études de terrain, mais assez peu. Et notamment, j'ai quasiment rien publié sur les données que j'ai pu recueillir après. Et j'ai fait dans des circonstances assez semblables aux premières, et je trouvais que c'était un peu redondant par rapport à ce que j'avais déjà écrit. Hein, disons, ça confirmait ou ça affirmait plutôt un certain nombre de choses, mais ça ne transformait pas complètement ce que j'avais pu penser ou dire. J'ai relativement peu écrit sur de l'ethnographie, disons, par après. Hein, mais c'est un peu d'ailleurs assez marrant. Il y a dans un livre, un très beau livre d'un auteur qui n'est pas sans lien avec
l'anthropologie appelle Barbara Pym, qui est un écrivain qui a eu le prix à l'époque de l'écrivain le plus sous-estimé d'Angleterre. Elle était secrétaire de la revue Africa à Londres, et en même temps qu'elle était un très bon écrivain. Donc elle met en scène beaucoup d'anthropologues. C'était une littérature merveilleuse avec beaucoup des pasteurs anglicans et des vieilles dames célibataires et donc des relations amoureuses très, très tasse de thé comme ça. Et donc il y a des anthropologues, elle dit à un moment donné c'est une des rares... un des rares auteurs qui représente bien les anthropologues, je crois, parce qu'elle les connaît de par son métier. Et elle dit, en fait, l'anthropologie, les anthropologues servent des vieux ragoûts. Hein, donc, ils ont une vieille sauce qu'ils accommodent pendant toute leur vie avec ils ajoutent quelques éléments nouveaux. Et je crois qu'on fait un peu du ragoût comme ça aussi. Donc, on utilise ces données pendant toute sa vie. C'est fondamental pour nous. Finalement, on en fait relativement peu qui soient dignes de ce nom. Hein, maintenant, on appelle travail de terrain dès lors qu'on va 15 jours en vacances quelque part, hein, faire du ski à Val d'Isère, on appelle ça du travail de terrain aussi. Mais l'ethnographie véritable, on en fait que très, très peu, hein, sinon qu'une seule fois pour un certain nombre. Et donc, c'est vrai que c'est... ça, l'effort en vaut la peine au bout du compte parce que ça marque toute votre vie, hein, surtout quand on peut en produire, quand on a la chance de pouvoir écrire quelque chose à ce sujet. Hein, l'écriture étant toujours évidemment la manière de le maintenir en vie. Ah, donc depuis lors, j'essaie un peu de travailler même toujours sur l'histoire, sur les histoires et sur les transformations, sur les valeurs, sur les transformations du monde contemporain. J'ai un peu laissé l'anthropologie de côté pour maintenir. Est-ce qu'il y a une différence entre l'histoire et l'anthropologie? J'en reviens peut-être à un de mes penseurs, à mes maîtres à penser, qui est Evans Pritchard, qui pensait que les deux disciplines étaient loin d'être différentes, hein, qu'il fallait ramener l'histoire dans l'anthropologie. Donc c'est un peu ce que j'ai fait, même si pour moi donc l'histoire est toujours un peu de raconter des histoires, mais je ne suis pas sûr que ça ne devrait pas être aussi le thème de l'anthropologie, de raconter comment vivent les autres gens dans le monde. Hein. Je pense que ça revient, on en revient toujours finalement à ça, d'ouvrir un peu notre lucarne sur des modes de vie et de pensée, des gens qui nous paraissent éloignés et qui finalement le deviennent beaucoup moins dès lors qu'on s'intéresse à eux. Dans mon travail sur l'histoire de l'anthropologie, on m'a fait une demande de travailler sur, de produire un petit livre, d'écrire un petit livre sur Lévi-Strauss dans une collection nouvelle qui va paraître chez Armand Collin. Donc j'ai écrit ce petit livre un peu à la demande parce que je ne suis nullement un spécialiste de l'œuvre de Lévi-Strauss, que j'ai lu bien sûr avec passion, intérêt et puis avec un œil plus critique par la suite, au moment où j'ai remis le manuscrit à l'éditeur, la collection a été supprimée, a disparu. Donc c'est une petite collection de poche qui voulait, à l'époque, c'était la mode de faire des que sais-je un peu chez chaque éditeur. Et la plupart n'ont pas marché. Et donc je me suis retrouvé avec ce manuscrit que j'ai dû donner ailleurs. Donc je les ai donnés aux éditions du Seuil qui l'ont publié. Qui lui ont donné peut-être un écho qu'il n'était peut-être pas supposé avoir au départ, dans la mesure où c'était un texte qui était largement écrit pour un public d'étudiants du premier cycle et qui voulait être une introduction à la lecture de l'œuvre de Lévi-Strauss, c'est-à-dire de parcourir les grands thèmes afin de familiariser les étudiants à ce qu'ils fassent eux-mêmes le pas par la suite. Et donc, c'était une vue peut-être un peu plus critique aussi que ce qu'on lisait généralement, ou ce qu'on lit généralement sur Lévi-Strauss, qui tend malheureusement à être quelque peu soit totalement destructeur, soit hagiographique. Donc j'essaie de me situer un peu entre les deux. Alors j'étais étonné d'avoir des réactions quand même très, très, très dures, très violentes parfois, du côté français surtout, hein, où on trouvait que c'était quasiment sacrilège, une vision quasiment sacrilège et complètement déplacée de l'œuvre de Lévi-Strauss. Je ne sais pas si je l'ai, mais si ce l'est, mais ce dont j'étais étonné, c'est que le livre a été traduit en anglais à la demande de collègues sans que je n'intervienne. Et qu'en langue anglaise, par contre, le livre passait comme une vue plutôt modérée et sympathique
de l'œuvre de Lévi-Strauss qui remplissait la fonction qui était la sienne au départ, c'est-à-dire de rendre une lecture importante, accessible, peut-être même souhaitable, d'inciter les étudiants à lire ce texte. Donc là, c'est un texte que je ne reproduirai plus, je ne referai plus sans doute aujourd'hui pour cette raison-là, un peu pour les raisons de ne pas passer pour l'idiot du village, pour certains, ou de sacrilège, celui qui tue le père tutélaire. En plus, il y a une très belle note dans Le regard éloigné de Lévi-Strauss, où il dénonce les anthropologues britanniques dont la seule contribution à la science est de critiquer les auteurs précédents. Je pense qu'il a totalement raison, et c'est une œuvre lui-même, a produit une œuvre extrêmement positive, qui est peu polémique et critique, hein. En fait, il essaye de construire des choses, une œuvre positive. Je pense qu'il y a déjà une leçon de ce point de vue-là. J'espère l'être de ce point de vue aussi, d'être davantage positif que critique. Et donc, ça m'a aussi permis un peu de rentrer dans la même logique, hein, d'essayer de raconter un peu l'œuvre de Lévi-Strauss, même si ce n'est pas d'une façon romanesque. Et donc, dans la même lignée, j'avais publié un petit ouvrage alors qui est un peu une synthèse, une synthèse un peu amusante pour moi, qui est donc le récit de mon voyage en Inde et au Népal alors que j'avais 19 ans. Donc, le voyage dont j'ai eu l'occasion de vous parler, et donc qui est écrit en réalité une trentaine d'années plus tard, c'est-à-dire à partir de souvenirs, même presque plus de photos, donc tiré complètement des souvenirs que j'ai pu en avoir de ce moment formidable, hein, de cette initiation formidable d'un voyage jusque des terres très très éloignées, très lointaines. Donc c'était publié donc sous le titre Le voyage à nowhere, un peu le voyage à nulle part, un voyage donc parce que ça a été un voyage, le voyage de l'époque était peut-être caractérisé par le fait qu'on rencontrait finalement très peu les réalités locales. C'était un voyage presque initiatique, presque personnel. Un développement d'aller et peut-être dans ce cas-ci d'ailleurs se terminer par un trekking comme on l'appelait à l'époque au Népal dans la montagne, et à un moment donné nous avons fait demi-tour presque au milieu d'une journée et on a fait le sens inverse, on est retourné en sens inverse, on est retourné vers la réalité en fait, vers le monde et l'avenir qui nous attendait. Donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, que j'aimais bien d'avoir écrit, et surtout de repenser sur son adolescence et sur son enfance, qui d'ailleurs, depuis quelques années, me retient. J'essaie un peu d'intellectualiser les choses en me retrouvant sur les années 60, sur la révolution culturelle qui a marqué l'Europe occidentale, en tout cas, mais le monde entier indirectement, depuis les années 1960, par rapport à l'époque, juste, qui reste encore très très proche du 19e siècle dans les valeurs et la culture, hein, jusque dans les années 50, et puis qui tout d'un coup va connaître montée d'individualisme, montée du capitalisme aussi, de la généralisation du capitalisme qui devient le seul mode viable d'organisation économique. Et donc aussi donc la liberté aussi, l'immense liberté qui est laissée à chacun et qui est liée à l'individualisme. Donc toutes ces choses-là qui m'intéressent et qui me permettent aussi, enfin, je l'espère, de continuer à raconter des histoires pour quelque temps encore.